Montreal seemed to have more illicit activities going on than other cities in North America. Duplessis a dit à un moment donné, c'est pas tous les touristes qui viennent à Montréal pour aller à l'oratoire Saint-Joseph. The way the red light was ultimately treated was a kind of look the other way, don't ask, don't tell. As long as things aren't out of hand, let it be. Il y a encore un peu l'idée que la prostitution est un mal inévitable, puis que si on la réprime trop, à ce moment-là, on va créer des débordements, puis on va surtout provoquer le viol ou la séduction de femmes honnêtes ou de filles honnêtes. Every once in a while, there would be a particular reformer who would really take up public space and just talk about how the existence of a red light reflected badly on the city as a whole and on the morals of everyone who lived in that city. And it was a bad influence for children and a bad message to send to the larger community. J'avais une superbe de belle robe bleue avec un épaule en dentelle. Et l'autre, c'est un strapless qu'il appelle. Absolument une épaule nue. Et la police nous dit, une femme, put your bolero on. J'entends encore sa voix de mettre mon bolero parce que j'étais indécente, parce que j'avais une épaule nue. On voulait, on disait, protéger la jeunesse de certaines valeurs amorales, un spectacle qui n'était pas nécessaire. Et donc, en disant ça, on faisait référence à donc certains bars des feuilleuses ou du gambling, des trucs comme ça, mais aussi à la culture d'après-guerre, c'est-à-dire la culture de consommation qui faisait rage et puis qui explosait dans les années 50, qui était tout aussi amorale pour certains. Donc on voulait combattre ou protéger la jeunesse de ces deux démons-là, si je peux dire. Dès les années 41-42, les gens protestent contre l'immoralité qui semble régner à Montréal. Ils demandent qu'on fasse un nettoyage, qu'on ferme les bordels, etc. Mais il n'y a pas seulement les nationalistes qui s'inquiètent de l'immoralité à Montréal. Il y a des gens chez les anglophones, dans les journaux anglophones, dans les églises, autant catholiques que protestantes, qui trouvent vraiment que ça va trop loin à Montréal. Le meurtre de Harry Davis a eu des répercussions assez importantes à Montréal. Parce qu'à ce moment-là, une bonne partie de la population aussi a commencé à se soulever, à se poser beaucoup de questions. Et puis, c'était tout de même allé assez loin. Et un mois plus tard, Pacific Plante entrait à l'escouade de la moralité comme directeur adjoint. Et sa mission, c'était de faire du nettoyage. Pacific Plante, il a un long parcours qui est assez intéressant. Il vient d'une famille assez pieuse, assez sévère. Et l'immoralité qui semble régner à Montréal scandalise sa famille, le scandalise aussi. Il avait le physique de vertu, de faux frère, si je peux m'exprimer ici. Pas un vrai faux frère. Il n'était pas hypocrite, quand même. Il était comme il était. Il était comme ça. Il fallait le prendre tel quel. Pendant la guerre, au moment où l'immoralité publique atteint ses sommets, lui voit ce qui se passe à la cour municipale, découvre tranquillement que les procédures policières sont pas adéquates pour lutter contre ces trafics-là et qu'il y a des choses très simples qu'on pourrait faire qui mettraient des bâtons dans les roues de ces entreprises-là, mais qui ne sont pas faites. On avait demandé à un dénommé Pax Plante, Pacific Plante, qui était avocat, de devenir responsable de l'escouade de la moralité. Alors lui, un incorruptible, a commencé à vouloir faire le ménage. Puis avec des policiers qui n'étaient pas véreux, il y en avait quelques-uns malgré tout. Les réformateurs, eux, disent « oui, c'est bien beau, il faut réformer les mœurs, il faut réformer les mentalités, mais on ne peut pas réformer la moralité si Montréal reste une ville ouverte. Si Montréal reste une ville comme Las Vegas au niveau du jeu, puis comme Paris au niveau de la prostitution. » So even though things are so much more proper than they had been in Montreal for decades, it's still too much for Pacific Plante. He still cannot abide the fact that there is any wrongdoing, any vice, any scandal, any possible stain on the reputation of his city.
Lorsque Pacific Plante a intégré l'escouade de la moralité, bien entendu, il s'est dépêché de faire des arrestations extrêmement spectaculaires, comme par exemple, il a procédé à l'arrestation d'Harry Shipp. Qui est sa bête noire, qui est un jeune gambler très dynamique, qui fait beaucoup d'argent et qui est très populaire. Il a des liens dans la communauté. On retrouve même, lorsqu'il est fouillé, on retrouve dans son petit carnet le nom du maire Hood, dans son petit carnet d'adresse. Et Pax Plante décide d'en faire un exemple et réussit à faire mettre Harry Shipp en prison. Mais ce qui était uniquement transmis aux citoyens, c'était le fait que le ménage était fait et puis qu'on travaillait fort. Et puis c'était plus de montrer un peu les exploits qui étaient produits, mais sans nécessairement expliquer le fonctionnement ou qu'est-ce qui se passait aux citoyens. Il y a une demande des autorités ecclésiastiques de faire quelque chose. Donc, on met sur pied ces unités-là pour répondre à certains besoins. Mais de l'autre côté, il y en a d'autres aussi qui veulent qu'on s'en occupe, mais peut-être pas trop. La moralité, c'est ceux qui étaient vraiment impliqués là-dedans. On parlait de 58 tout à l'heure. Mettons qu'il y avait une soixantaine de policiers sur un effectif, on était à 3000 à l'époque. C'est pas beaucoup. Quant à prendre action contre une tenancière et tout ça, c'était pas nous autres, c'était la moralité. Puis c'est peut-être ça aussi qui a mené à leur perte, parce qu'il y avait cette exclusivité-là de travailler dans un milieu assez fermé. Ça prend une connaissance spécifique pour faire des causes de moralité. T'sais, spécifique dans le sens que ça prend des gens qui te le montrent. Là, t'sais, là, comment tu fais ça, les 3 jours d'observation, blablabla. Si tu es policier dans un petit corps de police, vous êtes 12, il y a une grosse barbotte. Comment est-ce qu'on fait pour arrêter ça? T'sais, c'est pas l'individu policier qui était en cause. C'était l'administration, la connaissance. But Plante, who really, really want, is not going to take anything but absolute shutting things down. There's going to be no you scratch my back and I scratch yours, which is pretty much how the red light district has run since Montreal has existed. He will have none of it. So all of the kinds of people with a particular amount of power that were kind of allowed to go on and do what they were doing all along, as long as they didn't bother anyone, as long as they didn't draw too much attention, as long as they didn't cause a scandal, Plante wasn't even going to accept that. And so he went off for a year and he stepped on toes everywhere. He insulted people, he infuriated people who wanted to work with him, but maybe not quite as far as he wanted them to go. He would denounce them as the enemy and go off to find someone new to work with. And so within a year, he'd alienated and infuriated almost anyone he could work with, and the police chief couldn't stand it anymore, so he fired him. C'est après le congédiement de Pacific Plante qui, un an plus tard, a décidé, avec l'aide du devoir, d'un peu mettre la lumière sur l'industrie, qu'est-ce qui se passait, dire qu'est-ce qui fonctionnait pas, et puis à amener ça un peu, si on veut, aux oreilles, aux yeux des citoyens. Et donc, c'est un peu plus tard, si on veut, que vraiment les citoyens ont été confrontés à l'ampleur qu'avait le crime organisé et aussi un peu au ridicule de tout le système de protection qui avait été mis en place ou les descentes qui étaient faites. Donc, tout ça a mené à l'enquête Caron. Les parangons de vertu, il faut toujours s'en méfier un peu. Des gens qui sont juste vertueux, tellement vertueux, qui sont intouchables. C'est des gens qui sont pas tout là. Ils sont excessifs. À soir, 2 heures, on raid 312 Ontario. On vide tout. Là, ils rentrent là. Arrête tout le monde, vite jusque-là, mets les cadenas dans... La loi du cadenas, c'est ça. Mets le cadenas à porte finie, tant que l'enquête n'est pas finie. Sometimes what would happen is that police would crack down on one house and say, you can't operate in the city. So they would open up just outside of city limits, right? Or just outside of that particular municipality's limits. Je me souviens d'un événement quand la police fédérale l'avait perquisitionné dans les années 50. Chez un des acolytes de Carmine Galante puis de Vic Cotroni, qui s'appelait Frank Petrella. La police fédérale avait trouvé dans la salle de bain une petite cachette dans laquelle on a trouvé la liste
de corruption, la liste des gens qui étaient corrompus par l'organisation criminelle mafieuse à Montréal, la grosse organisation. On avait la liste des politiciens, des juges, des journalistes, des policiers qui étaient sur le payroll du monde interlope. So you would think, okay, so Plante has things pretty much shut down by Renault. That's not good enough for him. He has a year to do what he can do. He doesn't get it done in a year, and he doesn't have that job anymore. You'd think that would shut him down. But no. By November of that year, he'd convinced the editor of Le Devoir to allow him to write a series of articles describing what he knew was going on in the red light and bringing the evidence that he'd tried to collect in his role over the last year. At first, people kind of don't pay too much attention. You know, most of what he's talking about is kind of old news. He's just this one guy. But week after week, he comes up with more articles. Week after week, he has more evidence, more information. À la fin des années 40, les citoyens commençaient de plus en plus sensibilisés à la problématique du crime organisé, à la présence de l'industrie du vice à Montréal. Et puis, c'est entre autres via deux séries d'articles publiés dans le quotidien Le Devoir que les citoyens ont été sensibilisés. Donc, tout d'abord, il y avait la série d'articles qui a été publiée par Pacifique Plante, qui s'intitulait « Montréal sous le règne de la peigne », qui a été publiée entre la fin 1949 et début 1950. Et parallèlement, il y avait les journalistes du journal Le Devoir qui étaient aussi impliqués dans ce dossier-là et ces derniers ont publié une série s'intitulait Montréal, ville ouverte. Donc, dans les années 50, le Montréal, ville ouverte, il n'est pas disparu, mais il s'est drastiquement transformé. À cause de cette escouade morale-là, à cause de la police des liqueurs, à cause que c'est aussi le retour de la Deuxième Guerre mondiale, il y a une certaine austérité dans l'air, il y a le développement des banlieues, il y a, dans les années 50 aussi, il y a la télé qui arrive. Il y a la table tournante qui arrive, les systèmes de son. Donc, tout ce qui est ambiance de club, de boîte de nuit, de divertissement, ça se fait plus nécessairement sur la base de spectacles en live. Donc, c'est vraiment un peu l'expression, ce mouvement de réforme-là, autant moral que politique, c'est un peu l'expression du visage qui se transforme de la société canadienne-française. Il était temps qu'ils mettent la hache là-dedans.